Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, deux présidents très controversés dont le rapprochement inquiète la communauté internationale. Le dirigeant turc, très amer du manque de soutien des Occidentaux après le putsch raté du 15 juillet, vient chercher le soutien de la Russie. Nos deux pays sont des acteurs clés de la région. Nous avons beaucoup de choses à accomplir ensemble. Cette visite sera historique, un nouveau départ, une nouvelle page va s'ouvrir. Un réchauffement qui intervient après de longs mois de brouille. Le 24 novembre dernier, la Turquie abat un avion de chasse russe qui survole l'espace aérien turc alors qu'il est en mission en Syrie. Moscou impose alors des sanctions à Ankara sur les secteurs de l'agriculture, de la construction et du tourisme. La Turquie a été très affectée par les sanctions russes. Par exemple, 98% des touristes ont boudé la Turquie, ce qui a eu un lourd impact sur l'économie turque. Et les projets d'une grande importance économique comme le gazoduc Turk Stream et leur première centrale nucléaire ont été reportés. Depuis, Erdogan s'est excusé et les sanctions ont été levées. Les deux dirigeants tâcheront également de trouver une position commune sur la crise syrienne.